Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le rendez-vous mensuel, le bilan du mois de juillet. Donc, j'ai accumulé un certain nombre de lectures, quand même assez substantielles, alors je suis vraiment contente. Avant de passer à ces lectures-là, je voulais par contre vous parler un petit peu d'un contretemps, dans le fond, vous donner une mauvaise nouvelle. Hein? C'est-tu pas merveilleux arriver dans une vidéo, puis je vous donne une mauvaise nouvelle? Je voulais l'insérer dans le fond dans le bilan parce que c'est un peu le récapitulatif du mois, on s'entend. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, je reviens de voyage, une semaine de vacances chez mes grands-parents. C'était pas prévu que j'aille d'autres vacances, mais est apparue une occasion pour moi de passer un dernier moment avec ma famille. Que je vois vraiment pas souvent durant l'année scolaire, ni durant l'été d'ailleurs. Donc là, on a l'opportunité de faire un voyage ensemble qui dure 2 semaines et j'ai accepté. Donc je vais re-être absente pendant 2 semaines à partir du 9 août jusqu'au 24 août. Donc je reviens le 22, mais le 23 je travaille, donc le 24 je devrais être disponible. Donc je vais être absente durant ces dates-là. Évidemment, je veux vous pré-filmer des vidéos, mais... En fait, c'est le lieu de mon voyage qui va décider si vous allez pouvoir les recevoir. Parce que, à moins qu'il y ait un bouton magique qui dise sur YouTube « Publier la vidéo dans 5 jours », je vais devoir apporter mon ordinateur avec moi, pardon, et vous les publier sur place. Mais si les connexions de recharge ne fonctionnent pas, ben, je suis capoute. Alors, vous verrez sur le coup, entre le 9 et le 22 août, si j'ai pu vous livrer quelque chose. Sinon, ben, je vais vous dire qu'il y a... Il n'y aura rien de certain en fait. Donc voilà, mais je suis sûre que vous allez être correct de toute façon. Il y a plein d'autres booktubers très talentueuses sur la booktubosphère. Et puis si vous en voulez des Québécoises, ben, je vous mettrai les liens de deux youtubers québécoises très talentueuses, très passionnées. Donc celle de Tania et de Sandrine de la chaîne Au fil des mots. Donc je vous mettrai ces liens-là. Et l'autre mauvaise nouvelle qui vient s'agencer avec celle-là, c'est que pendant mon absence, il va y avoir le meet-up qui se situe à Montréal le 15 août. J'étais tellement excitée de participer à ce meet-up-là. J'étais excitée de vous rencontrer pour ceux qui habitent à Montréal ou au Québec. Je voulais vraiment venir. J'ai même acheté des livres pour participer à un échange dont on avait parlé un peu. Et puis voilà, mais entre la famille et ça, un meet-up que je peux refaire d'autres fois, c'est sûr que ça sera pas aussi sensationnel que celui-ci où plein de booktubers québécoises se rassemblent et de blogueuses québécoises, mais je me suis dit entre la famille et ça qui peut se reproduire, je vais choisir la famille. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi, c'est assez essentiel pour moi, c'est une valeur essentielle de pouvoir voir ma famille, passer du temps avec elle pendant que j'ai encore le temps. Donc voilà, je suis comme le corbeau de mauvaises nouvelles. Mais voilà, ben, c'est un moment à passer, puis après, à la fin de l'été, ça va reprendre le cours normal des vidéos. Mais c'était juste pour vous annoncer ça. J'espère que ça n'aura pas été trop long, parce que ça va faire un bilan pas mal long. Mais voilà, je tenais à vous le dire en personne vidéo, et pas juste par écrit, parce que c'est quand même une longue absence surplombée d'une absence au meet-up. Donc je voulais bien m'expliquer pour que vous compreniez tous et que ce soit bien clair et que vous sachiez que je vous aime quand même, évidemment. Ceci dit, on va passer de ce pas au bilan du mois de juillet avec la première lecture que j'ai lue qui est toute toute petite dans tous les sens du terme. Alors il s'agit de ce petit et très mince livre « Bois du thé fort, tu vas pisser drette » de Fred Pellerin que j'ai terminé au tout début du mois. Donc ici, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Fred Pellerin, c'est un conteux. Hein, pour dire conteur, mais conteux québécois. J'ai fait une vidéo uniquement sur lui et les œuvres que j'ai de lui à la maison. Donc, si vous voulez aller le voir, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Sinon, on va continuer tout de suite à ce dont traite « Bois du thé fort, tu vas pisser drette ». Alors, Fred Pellerin, petite mise en contexte, raconte des histoires des gens de son village dans le nord du Québec. Et ici, on va se concentrer sur une personne du village en particulier, comme le font la plupart de ses recueils de textes. Ici, ça va être l'histoire de Brodin Tousseur ou de Brodeur Toussaint, Toussaint Brodeur. Donc, il y a deux manières de prononcer son nom. Et puis, on va suivre ses aventures dans le village, des aventures vraiment farfelues, rocambolesques, mais toujours réelles. Et j'adore Fred Pellerin parce qu'il réussit à instaurer tellement de magie et à donner de la couleur au peuple québécois. Et à chaque fois que je me lance dans ces lectures-là, je me sens vraiment chez moi, puis je me sens nostalgique parce que j'habite en ville, donc je vis pas cette atmosphère-là, cette vie-là de village de campagne ou de village ailleurs qu'à Montréal. Donc à chaque fois que je lis ça, je me sens
tellement bien et c'est tellement créatif parce que aussi Fred Pellerin va jouer avec les mots. Donc, il faut être assez à l'aise dans le langage québécois pour la langue québécoise pour comprendre parce qu'il va vraiment des fois agencer des mots différents ensemble, faire des jeux de mots, mais c'est très très intéressant. Bref, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai découvert Brodin Tousseur et j'ai beaucoup apprécié. Donc, si vous voulez commencer avec une lecture de Fred Pellerin, je vous conseillerais pas celle-là par contre parce que je trouve que c'est plus adressé à des gens qui connaissent déjà le village de Saint-Élie de Caxton. Donc, je vous conseillerais plutôt de lire sa première œuvre, je crois bien, oui. Donc, Il y a belle lurette. Ça, c'est sa première œuvre. Je vous mettrai le titre, la maison d'édition et tout ça en barre d'information. Donc, voilà pour ça. Et j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important, l'édition, n'est-ce pas? Donc, c'est publié chez Sarrazine ici. Vive la visite! J'ai eu une interruption, donc ça se peut que j'aie eu un mouvement brusque. On passe tout de suite au livre suivant. Donc, celui que j'ai terminé après une pause d'un an, hein, c'est quand même long, et en plus, il restait seulement comme une centaine de pages. Il s'agit de Les Misérables, partie 1 de Victor Hugo. Donc, moi, j'ai les éditions qui divisent Les Misérables en deux plutôt qu'en quatre. Alors, ici, c'est le premier volume, et c'est très, très, très épais. Mais c'est ce genre de classique-là que j'aime. J'ai lu Anna Karenine, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, Les Misérables, je me suis dit que j'allais beaucoup aimer aussi parce qu'on allait décrire une vie parisienne, quoi, du 19e siècle, avec, mon Dieu, ses us et coutumes, ses infrastructures, la culture. Et puis, on parle ici plus précisément des miséreux qui vivent à Paris ou qui ont le malheur de tomber dans Paris et d'y vivre dans la misère. Donc, je suppose que vous connaissez déjà Les Misérables, que vous l'avez déjà lu ou que vous en avez entendu parler ou que vous avez vu le film. Donc, je m'attendrai pas trop sur le résumé de l'histoire. Mais sachez que j'ai beaucoup apprécié et aussi c'est le livre d'un genre de livre que j'aime, qui m'a donné le plus de défis à date à cause des descriptions. J'adore les descriptions, j'en mange, donc vous pouvez comprendre que dans les livres classiques, j'ai beaucoup d'agréments. Mais ici, la bataille de Waterloo, oh mon Dieu, j'ai jamais eu autant de misère à continuer cette bataille. C'est tellement précis, tellement détaillé, avec tellement de faits et de nombres, Que je me perdais, puis je commençais à être vraiment découragée. Puis la bataille, elle est à peu près comme au milieu du livre, quoi. Mais ouais, ça, pour ceux qui ont lu Les Misérables, la bataille de Waterloo, n'est-ce pas que c'est tout un défi? Et j'ai hâte de lire le second tome. Ensuite, je me suis lancée dans Tant que nous sommes vivants, de Anne-Laure Bondou, publié chez Gallimard. J'ai oublié de vous dire que Les Misérables, c'est chez Folio Classique Gallimard, mais vous l'auriez bien vu, là. C'est une couverture qu'on connaît bien. Mais bref, de retour à Tant que nous sommes vivants, c'est une lecture qui a été présentée sur la chaîne de Bulldog et qu'elle avait achetée sous le conseil de ses libraires. Il ne m'avait pas tenté vraiment sur le coup quand elle l'a présentée, mais quand je l'ai vue en vrai, en chair et en os à la librairie et que j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment captivée. Donc, je l'ai lu et j'ai pas été déçue. C'est un livre très spécial. C'est pour la jeunesse et l'adolescence, j'ai l'impression, mais vraiment pas une jeunesse trop jeune parce que la manière que certains thèmes sont abordés, peut-être qu'un enfant de 9 ans pourrait pas tout comprendre, un enfant de 8 ans pourrait pas faire tous les liens et je trouve que ça a une certaine maturité puis qu'il faudrait plus que ce soit les adolescents qui lisent ça ou les enfants de 12 ans par exemple. Donc voilà. Donc en résumé, Tant que nous sommes vivants, c'est l'histoire de Ama et de Beau qui sont deux ouvriers dans une ville d'ouvriers, deux jeunes qui vont se rencontrer et vont tomber follement amoureux. Donc ça commence assez simplement. Et puis un jour, l'usine dans laquelle ces deux jeunes-là travaillent va périr, quoi. Il va arriver une catastrophe et à cause de rumeurs qui circulent autour de ce couple-là, ils vont être obligés de s'enfuir et de partir vers l'inconnu. Et puis cet inconnu-là va représenter aussi un début de quête et de quête de soi. Qui l'on est, comment continuer à vivre, comment se trouver une utilité quand il y a quelque chose chez nous qui est brisé, quand on pense qu'on n'a plus d'utilité. Donc c'est vraiment trouver un sens à la vie. Et c'est un grand conte philosophique selon moi pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, ça se présente vraiment sous forme d'un conte. Donc le lyrisme des mots est très beau. Les mots sont très bien choisis. Il y a vraiment une musique dans les mots. Comment les personnages même sont abordés, on les décrit pas platement selon leur personnalité, mais selon ce qu'ils représentent pour moi. C'est comme ça que j'ai perçu. Donc, même jusqu'aux personnages secondaires. Les personnages secondaires sont très importants dans ce livre-là, apportent beaucoup de clés de solution. Après ça, c'est aux personnages de les prendre ou pas, hein, ou de les ignorer. Mais chaque
éléments. Chaque personnage a un symbole. Et aussi, il y a une magie présente dans ce livre-là, mais une magie pas claire et définie. C'est une magie qui doit être aussi découverte, que les personnages doivent essayer de comprendre ou d'accepter plutôt que de la comprendre. Donc, tout n'est pas clair, net et précis. C'est très gris. Et j'ai beaucoup apprécié. Et la page couverture, changement de sujet, niveau esthétique, ça représente le parcours des personnages dans le livre. Et on comprend la page couverture au fur et à mesure qu'on lit le roman. J'ai beaucoup aimé, c'est ça, tout le développement de la relation entre les personnages, surtout l'histoire d'amour entre Beau et Anna. Je la trouve exempte de stéréotypes. Elle est profonde, nuancée. Il n'y a pas tout le temps des belles choses qui arrivent. C'est pas violent pour rien. C'est pas doux et gentil pour rien. Je trouve que c'est juste proche du cœur, vrai. Puis j'ai beaucoup apprécié ça. Ça fait longtemps que j'ai pas découvert une histoire d'amour comme ça. Donc, ouais, j'ai beaucoup apprécié. Puis je vous le conseille fortement si vous aimez les contes, si vous aimez des livres qui provoquent la réflexion chez vous, qui reviennent à des questions existentielles de la vie et qui vous montrent une manière de gérer ça ou de mal le gérer. Bref, qu'est-ce qui peut arriver chez des personnes à qui cette situation-là leur arrive. Donc, ouais, c'est très spécial. Et puis au début, je lui attribuais pas le coup de cœur. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose, je sais pas. Mais plus j'y repensais, plus j'aimais le livre, plus j'aimais son potentiel de réflexion. Puis finalement, ben, je lui accorde le coup de cœur sans regret, sans hésitation. C'est un beau livre. Puis je pense qu'il peut atteindre plusieurs âges, c'est ça. Mais comme faut pas le commencer trop jeune parce que ça serait dommage de pas comprendre toute l'ampleur ou de pas se poser toutes les questions que le livre nous permet de nous poser. Voilà pour ça. Ensuite, je suis retournée dans ma zone de confort chez un auteur que j'aime tout particulièrement. Il s'agit de Léon Tolstoï avec son premier roman autobiographique, si j'ai bien lu, Enfance. Donc ici, il raconte son enfance. N'est-ce pas très clair? La page couverture est particulièrement traumatisante. J'aime pas vraiment la face du petit garçon. Il est un peu ange et démon, là, je trouve. Mais bref, j'ai beaucoup aimé découvrir cette enfance-là. Je commence tranquillement à retenir des éléments de cette vie-là, des riches Russes qui ont une maison à la campagne avec leurs serviteurs et puis qui ont aussi une maison à la ville à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais là c'est plus Moscou. Et c'est vraiment touchant parce que la vie d'un enfant n'est pas nécessairement facile. Parce que pour le petit Nikolenka, lui va grandir dans la maison de campagne avec sa mère, avec ses sœurs. Il est très attaché à sa mère. Mais à partir d'un certain âge, il est jugé prêt à poursuivre une éducation supérieure. Et là, ce qui se passe chez plusieurs enfants, semble-t-il, c'est que là, on les ship à Moscou dans la grande ville pour continuer leur éducation, pour rencontrer des gens importants et tout. Donc ils sont séparés de leur mère, sont sortis de leur cocon. Donc il y a beaucoup de peines, de tragédies qui sont vécues chez l'enfant et c'est vraiment intéressant de découvrir ses émotions, cette vie-là, ses pensées, parce que c'est très bien décrit. J'aime lire tout ce que Tolstoï écrit. Une scène banale peut être rendue super intéressante à lire chez lui. Et on reste vraiment dans la vie quotidienne, là. Il n'y a pas de dragon là-dedans, mais c'est super intéressant. Donc, c'est vraiment chouette. Ensuite, la semaine après, celle chez mes grands-parents, je me suis lancée dans la lecture commune que je fais avec Jeanne Lire et qu'on a toutes les deux terminée d'ailleurs. Je vais pas vous faire un gros avis là-dessus parce que je vais faire une vidéo à part pour ce livre-là. Mais bref, il s'agit de Max de Sarah Cohen-Scali chez Gallimard Pôle Fiction. Oui, c'est ça, chez Gallimard Jeunesse Pôle Fiction. Max, en résumé, c'est l'histoire de bébés qui sont créés sous le règne nazi, qui sont destinés à être les parfaits petits ariens, en fait. Donc, Hitler et Himmler, je crois Himmler qui était dans la médecine et tout, vont prendre une femme allemande idéale, un SS allemand, et ils vont les accoupler pour avoir vraiment une génération de petits bébés ariens. Et Max est l'un d'eux. Voilà, on va suivre le parcours de Max à travers le régime nazi, puis aussi après le régime nazi, quand il s'effondre, ben qu'est-ce qui arrive de Max? Est-ce que sa programmation va encore rester? Est-ce qu'il va changer? Comment est-ce qu'il va évoluer? J'ai beaucoup aimé. Je sais pas si c'est un coup de cœur. J'ai pas mis le mot dessus. Donc voilà. Je vous rappelle que je vais faire une vidéo entièrement sur ce livre-là très très bientôt. Sûrement en fait après mes vacances. Donc dans 3 semaines. Et là je vous en parlerai plus en profondeur. Finalement la dernière lecture que j'ai lue à la toute fin du mois. En fait je l'ai lue hier.
en quelques heures parce que c'est très petit, vous verrez bien. Donc, il s'agit du comics Thor, le volume 2, par Jason Aaron et S.A. de Ribic. Et là, ici, il y a un troisième nom qui se rajoute qui s'appelle, et je vais mal le prononcer, mais Juice, Goose, bref. Et c'est chez Marvel Now. Donc, j'avais lu le volume 1, vous pourrez aller voir mon avis que je vais mettre en barre d'informations. J'ai fait un avis sur le blog et j'ai fait aussi un avis dans une vidéo. Donc, je vais vous retrouver la vidéo puis je vous la mettrai en bas. Et puis, j'ai été très satisfaite avec le volume 2. J'ai eu des surprises et ce qui est très intéressant et ce que je m'attendais pas, en fait, je m'attendais pas à ça, c'est que on en a appris un peu plus sur le passé de Gar, qui, je confirme, est bien un dieu. Ça nous permet de développer cette ambiguïté-là, genre, je pense que je l'aime un peu, Gar, mais c'est horrible, comment je fais pour l'aimer? Mais c'est parce qu'on le comprend. Ça nous permet de construire un avis, une appréciation nuancée et plus profonde chez un personnage. Pas juste, ah, oh, il est juste méchant et c'est tout. Ça, c'est moche. Mais j'ai jamais vu de méchant, d'ennemi, d'opposant mieux créé que Gar. Je l'apprécie vraiment. Les images sont encore là, toujours très très jolies. Et ici, on a trois Gar, oui, vous avez bien vu. Donc le jeune Gar, qui est dieu des Vikings au début. Ensuite, le Thor Avengers, et on le dit en plus. Et lui, c'est comme le Almighty Thor. Donc, il a un rôle très important, puis il a une position très importante. Ça, c'est un autre exemple d'image que je vais vous montrer avant de quitter ce comics. Et puis, je viens de remarquer parce que il y a une bulle ici de texte qui représente tellement bien comment Thor se représente. Thor arrive dans une réunion parce qu'il n'était pas attendu, mais il arrive là. Puis il répond à la question d'une des personnes qui parlait. Puis il arrive puis il dit « Je suis votre dieu ». Genre, avec la position. Fait que c'est vraiment drôle parce que c'est carrément Thor. Il a une manière de parler de lui-même et de se représenter. Il parle de lui-même comme s'il était vraiment extra super cool. Ils sont pas très humbles, mais ils sont très très gentils et bienveillants. Fait que ça, j'ai beaucoup apprécié aussi de voir ce genre d'attitude-là dans le comics. Finalement, avant de vous quitter, je voulais vous présenter la lecture qui est en cours et que je vais très probablement terminer aujourd'hui. Donc, il s'agit de La princesse qui n'avait plus rien, de Shannon Hale. Et puis en anglais, c'est The Goose Girl, pour ceux qui l'ont lu en anglais. Et puis, c'est publié chez Pocket Jeunesse Littérature. Alors, La princesse qui n'avait plus rien, j'en ai lu le trois quarts, comme vous pourrez voir. Et en fait, c'est l'histoire de... c'est une réécriture de conte, en fait. Si vous connaissez ce livre-là, n'hésitez pas à me dire... c'est la réécriture de quel conte. Jusqu'ici, j'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a vraiment plusieurs éléments qui manquent ou qui sont pas assez développés à mon goût. Et juste avant de vous quitter, je voulais juste vous mentionner les noms qui sont utilisés dans ce livre-là parce que c'est des noms de personnages vraiment originaux et que j'ai jamais vu avant et que j'ai jamais vu cette sonorité-là associée à des romans de princesses et de princes. Donc, par exemple, l'héritière... soit cette jeune fille-là du trône, le personnage principal qui est une princesse. Elle est héritière du trône de Kildenri. Moi, ça sonne africain. Je me dis son nom, je trouve que ça fait vraiment africain. Et puis la princesse se nomme Anidori Kiladra. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, on s'en parle le mois prochain. Donc voilà, c'était tout pour le bilan du mois de juillet. J'espère que vous avez apprécié, qu'il y a des lectures que vous avez découvertes et que vous aimez bien. N'hésitez pas à me partager vos avis, vos interrogations et tout ça en barre de commentaires. Sinon, j'espère qu'au tout début de la vidéo, j'aurai été bien concise et claire. Et de plus, inquiétez-vous pas, si je manque le meet-up du 15 août, je vais certainement, très certainement, en refaire un à Montréal, cette année ou l'année prochaine, avant mon départ en Europe, parce que l'année prochaine, comme ma troisième année d'études, je vais aller en France pour étudier, donc c'est sûr que je vais en faire un là aussi. Donc, tout va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée, des très belles lectures, puis on se revoit la prochaine fois. Bye! Et ça va être celle de Brodin Tousseur ou de Brodeur... non, de Brodin Tousseur ou de Brodeur Toussaint. De Toussaint Brodeur. Ah! C'est tellement mélangeant!